J'ai créé cette collection pour son côté novateur et pour insister sur la création des artistes autour de Pont-Aven. C'est ici, dans ce village, qu'en 1888, l'art moderne est né. Une collection, c'est une aventure, une passion, une vie. Une collection de peintures de l'école de Pont-Aven, c'est un voyage à la rencontre de la modernité. Cette collection est pour moi très importante du fait de son côté très novateur. Particulièrement, un des peintres les plus novateurs de l'école de Pont-Aven, Émile Bernard, qui est l'inventeur du synthétisme avec Gauguin. La grande novation d'Émile Bernard, c'est de plus peindre les choses comme on les voit, mais enfin de peindre leur représentation imaginative selon ce qu'il a dans sa tête. Donc on ne voit plus de perspective, c'est des aplats de couleurs, et en fait, en un mot, c'est le début de l'art moderne. Notre histoire en fait commune a commencé autour d'un tableau d'Émile Bernard intitulé « Portrait de Madame Schuffenecker ». Et de là est né ce projet en fait d'introduire 23 œuvres de la collection personnelle d'Alexandre Mouradian dans le parcours de collection permanente du musée de Pont-Aven. Notre parcours a sa propre logique. Il a fallu choisir des places bien ciblées pour les œuvres de la collection Mouradian. Tout commence avec une œuvre de Forbes Robertson qui représente en fait un jeune Breton et une Bretonne. Et puis très vite, on arrive dans la salle des fondateurs de l'école de Pont-Aven avec par exemple ce tableau d'Émile Bernard qui représente une femme au kimono. Petit à petit, au fil de nos inserts dans le parcours, c'est joué en fait un jeu de renvoi et de miroir et on peut dire que nos deux collections se complètent vraiment à la perfection. Et je pense que pour les visiteurs du musée, c'est un véritable enrichissement dans la découverte du mouvement. Le Bois Rouge de Paul Sérusier, un des plus beaux tableaux, je pense, de Sérusier, très marqué par le japonisme et son format vertical. Les paradis artificiels par Armand Seguin, c'est une œuvre exceptionnelle. Majeur, c'est à la fois un hommage bien sûr à Baudelaire, les paradis artificiels, mais aussi au poète Verlaine qu'on reconnaît ici à l'arrière-plan. Un petit peu plus loin dans la section La quête spirituelle, vous découvrirez ce tableau de Maurice Denis, Perros Guirec, Jésus chez Marthe et Marie, tout à fait emblématique de Maurice Denis, peint en 1917. Un joli traitement, très audacieux au niveau des choix de couleurs du paysage. On a rarement cette représentation dans les tons jaunes de l'œuvre de Denis. En tout état de cause, on fait vraiment état du synthétisme et aussi de la présence des artistes étrangers à Pont-Aven à cette époque. L'atelier de Les Avins, ça a été l'un des tout premiers de Paul Gauguin. Il a été mis à disposition par le notaire Tanguy. Il faut imaginer le manoir un petit peu à l'abandon, disponible. Et les Américains, déjà puis Gauguin, vont rapporter toutes sortes d'accessoires pour peindre en atelier et s'inspirer de Pont-Aven, non pas en travaillant en plein air, mais à l'abri. Ces artistes étaient mobiles, donc ils ne se sont pas limités à Pont-Aven, ils étaient curieux. C'est aussi ce que montre la collection d'Alexandre Mouradian. On a des peintres comme Offra qui vont travailler à Douarnenez. John Peter Russell qui va peindre à Belle-Île. Ils essayent d'explorer la Bretagne, d'autant qu'elle leur paraît très préservée et très traditionnelle. On note notamment leur présence à proximité à Concarneau et au Pouldu. Thank you.
On a de très beaux témoignages sur la vie des artistes à Pont-Aven. Manifestement, ils y ont passé de très bons moments. Tout était fait pour faciliter le séjour des artistes. Le musée même où nous sommes est un ancien hôtel de peintre qui s'appelait l'hôtel Julia, qui était le plus grand établissement hôtelier de Pont-Aven au début du XXe siècle. Ici, les peintres étaient vraiment bienvenus, bien accueillis. Ils le savaient, et alors ils refaisaient un petit peu le monde tous ensemble.